Et salut à tous, donc j'espère que vous allez bien les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les nouveaux défis d'Aquaman de cette semaine 4 sur Fortnite. Donc tout simplement pour cette semaine 4, on nous demande de réussir un défi de nage chronométré à Dirty Docks. Donc du coup les gars, c'est parti, on se retrouve en game. Je vais vous montrer du coup où trouver le défi chronométré et du coup comment le faire. Et bien entendu, on gagne comme chaque défi d'Aquaman une récompense. Et cette fois-ci, ce sera tout simplement le sac à dos d'Aquaman, donc la carapace suprême. Donc du coup les gars, c'est parti. Pour le défi d'Aquaman, on nous demande tout simplement de réussir le défi nage chronométré à Dirty Docks. Donc pour ceux qui se demandent où est Dirty Docks, c'est tout simplement juste ici. Donc voilà, en H4, voilà, juste là. Normalement, vous avez une grue orange ici, une grue orange ici. Et juste en dessous, normalement, on devrait apercevoir le défi chronométré qui est juste ici. Donc vous vous dirigez près de la grue orange pour faire le défi chronométré. Normalement, vous apercevrez exactement le défi chronométré. Alors par contre, ce défi, je vous conseille de le faire vraiment en foi d'empoigne. Comme ça, vous pouvez respawn à l'infini, etc. Vous pouvez le faire en game normal, mais pour le moment, vu que le défi est hyper récent, ben, il y a forcément beaucoup de monde qui font ce défi et du coup qui cherchent à vous tuer, ou même des personnes qui ont terminé leur défi et maintenant qui attendent justement près du chrono pour tout simplement vous spawn kill. Et du coup voilà, c'est assez chiant. Donc je vous conseille vraiment de le faire en fort d'empoigne. Ensuite bah, rien de plus simple, vous activez le défi chronométré et ensuite bah, là comme vous le voyez, il faut juste nager et le défi se termine assez rapidement. Donc là hop, on va prendre celui-ci, je sais plus à combien on est, et il faut tout simplement suivre les chronos pour terminer. Donc je vous conseille aussi de faire la nage accélérée comme ceci, comme ça on atteint le chrono ici et le dernier juste ici. Donc là on peut voir que même sans nager réellement, j'ai réussi à le terminer. Voilà, réussir le défi chronométré à Dirty Docks, c'est terminé. Donc là vous voyez lieu notable Dirty Docks, défi accompli, j'obtiens du coup le nouvel accessoire de dos d'Aquaman. Sur ce les gars, comme tude, si cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.